suis dit, bon, je vais travailler sur cette peinture, à interroger la peinture et essayer de travailler avec le maximum de matière là-dessus. Et le fait que les peintures s'entremêlent et d'autres qui se repoussent, donc c'est un peu ce qui se passe dans ce monde en fait. L'autre, il n'aime pas l'autre et l'autre, il accepte l'autre. Et c'est la même chose qui se passe avec la peinture. Et en même temps, je me suis dit, ben, ce serait quand même plus légitime de travailler sur mon propre parcours. Et je me sentais un peu légitime de travailler sur ce sujet parce que moi-même, j'étais immigré. Et je suis parti par mes anecdotes. J'ai jamais... tout ce que j'avais fait comme interview avec des gens qui sont partis et tout, j'ai mis ça de côté et j'ai dit, ben, c'est plus légitime de travailler sur moi-même, quoi. La Biennale de Dakar, pour moi, c'est un miroir de l'Afrique. C'est tout un rêve, c'est tout un rêve pour tout un artiste, que ce soit un artiste africain. Tous les artistes du monde rêveraient de travailler au niveau de la Biennale de Dakar parce que bon, ça fait quand même... on est la 13e édition et nous, en étant aux Beaux-Arts, on peut travailler avec les artistes qui venaient souvent et ça a toujours été un rêve pour nous. Donc le fait d'être nommé et d'être cité parmi ceux qui doivent exposer pour le IN, ce serait que fierté au fait.